Salut les potos, ici Porto 95 Gaming. Je vais vous montrer comment on récupère toutes les voitures que vous avez dans le dépôt de véhicules. Là, je vais vous montrer les voitures. Toutes celles-là qui sont ici, là, on peut les récupérer en don de voiture, les potos. Donc c'est intéressant de les récupérer. Il y a des voitures anciennes, il y a un peu de tout, quoi. Vous voyez? Tout ça, on peut le récupérer en don de véhicule, les potos. Là, on peut même choisir les catégories par gamme. On va mettre haut de gamme, vous voyez. Voilà, Z Valor, Z Type. Voilà, des belles petites caisses, quoi. Ok. Donc, pour faire ce glitch, faut être 3. Il faudra déjà un PDG. PDG qui possède un dépôt de véhicules avec pas mal de véhicules. Et ensuite, deux personnes qui se buguent avec le glitch dans le véhicule, tout simplement. Ok les potos. Donc allez, je vous ai montré ça. C'est parti pour la manip. Oh les potos. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller à son bunker et on va se bugger. On va lancer son public. Ce glitch pourrait être 3. Justement, il me bug avec un autre pote et le mec, celui qui va vous passer la voiture du dépôt de véhicule, en fait, il fera ça en dernière étape. Il faudra qu'il me rejoigne au dock après. Hop, direct on accepte bunker. Hop. Je prépare déjà l'activité. Voilà. Là, je vais être dans mon bunker, sortir la voiture à l'extérieur et re-rentrer avec. Tu peux te mettre au cul du camion normal. Voilà, là, comme d'habitude, pas le droit de. Là, je vais avoir la confirmation. C'est mon pote. Il descend du véhicule.
On est dedans. On est dedans? Ok. Donc là, on refait rond et on recommence. Hop. De quoi, Zamazo? Te prends pas la Non, tête, hein, t'inquiète, pourtant t'inquiète, tu te t'inquiète. mets En vrai, je vais essayer. direct normal au cul Ouais, du je vais camion. essayer comme ça une fois pour voir. Voilà. C'est comme ça, j'ai l'impression que ça bug mieux, tu vois. Oh bah là, Zama, je l'ai taxé. Là, j'ai pris 6 ou 7 véhicules et à chaque fois, je me suis mis normal en Voilà. disant j'aime. Tu me dis si tu dois sortir du véhicule ou si t'as l'écran noir. Pour l'instant, écran noir. Voilà, écran noir, nickel. Donc, Xamazou, je te dirai bientôt quand on sera au port, il faudra que tu te mettes ça dans le truc sécuroserve là, que tu sois au dépôt de véhicule et que tu vendes la voiture, tu vois. Et comme ça, tu viens la ramener directement au dock. Alors après, je pense qu'avec les véhicules de la rue, c'est qu'ils rentrent pas dans le garage, je pense qu'il y a aussi moyen de les récupérer du coup. Donc là, on attend 1 minute 30, 2 minutes sur ce message-là. 1 minute 30, pour le moment, ça passe. Allez, là, je vais faire rond. Voilà, je suis sur la map, nickel. Voilà, petit écran noir. On fait une petite croix rond, start, en ligne, pas de mon criminel, rond, 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 j'en suicide. Voilà. Et le poteau, lui, dans son écran noir, une fois que je serai au dock, il fera juste activité récente, croix rond, triangle. Des fois, pas la peine de faire triangle, il tombera tout seul. Là, le poteau, qui est dans la même session que moi, il se met en sécurité serve et il vient me livrer la voiture du dépôt de véhicule. Vous savez, une voiture que vous devez vendre quand vous êtes PDG. T'es au doc là? Ouais, je suis au doc là. Là, tu peux faire croix rond. Là. Activité récente, croix rond. C'est qui la couleur? Je disais ils arrivent tranquilles mais non, ils sont arrivés à terre et tout. Pas grave, ça change rien. Faites ça dans des petites sessions. Mais toi en passif, tu peux l'activer le passif là. Ah,
Oh, tranquille, tranquille. C'est bon, je me suis mis en passif. Alors que Steve il demande son centre d'opération ici aussi. Je reviens. Ok. Prends n'importe laquelle du dépôt de véhicule. Prends-en une bien quoi. Une que voilà, un modèle. Hein? Du haut de gamme? Bah prends du haut de gamme alors. Comme ça là, on récupère la voiture, après je vais aller leur faire la peau aux autres. Ouais, ça fait, il y en a qui s'appelle Gravel. Attends. Gravel. Ok. Télé orange. Ouais. Hein, Zamazo, dis-moi quand tu te prépares à vendre une voiture du dépôt de véhicule, est-ce que tu as un temps? Pour livrer la voiture? Ok, ouais. Donc Steve, faut qu'il m'envoie après l'invitation au centre d'opération. Hein? Qui t'a volé la voiture? Bordel. Putain, mais c'est l'équipe des trois là, ils sont super casse-couilles ces trois là. Ils m'ont piqué la voiture. Au pire, change de session et reviens, comme ça tu seras pas débité au niveau de la voiture. Change de Porto, ils ont demandé ton exclusion. Pourquoi? Ah bon? Bah, je sais pas. Je vois, c'est écrit exclusion. En ligne, joueur. Exclusion, bah on les exclut aussi. Voilà, on fait pareil, ouais. Exclure. Lequel on a choisi? Hein? Grave R46. Grave? Bah ouais, il a rien fait moi. J'essaie juste de faire plaisir aux abonnés. T'as reconnu? Hein? Non.
J'aurais besoin d'aide de canard vitalisé. Ouais, si tu veux. Oh oui. Voilà, c'est bien. Ok, attends, j'arrive. On Tu peut mets mettre les un petit poteaux. canard vital. Allez. Il y a toujours des imprévus. On s'occupe de tout. Les poteaux, ils sont là. Sinon, tu demandes ton. Attends, je vais piquer une voiture. Est-ce que tu as le même dépôt de véhicule que moi? Je vais te rejoindre là-bas directement, sinon. Et il s'est fait d'ailleurs, il s'est fait atomiser. Il n'y avait pas le nom de qu'il a atomisé. Lui. Ah bon? Non, non, tu vas pas voir le nom si quelqu'un s'est fait atomiser. Tu vas juste le dire. Signale-le, c'est Amazon aussi. Comme ça. Attends, je vais quitter pour pas perdre la voiture. Ouais. J'ai fermé l'application. Non, t'as eu raison. Comme ça, après, tu reviens. Non, mais on va la récupérer de toute façon. Non parce qu'il a annulé. En fait, Ouais. Zamazo il a annulé sa mission, ce qui fait que la voiture, c'est comme si il l'avait récupéré pour rien. Ils pourront rien faire avec. Ah si, moi par exemple, j'aurais pu voler sur le véhicule, donc ils ont la chute, mais j'ai pu faire entrer le véhicule. C'est comme si tu vois, c'est comme si tu utilises le canon orbital, tu vois. Si tu lances le canon orbital et tu changes de session et tu reviens dans la session avec ton pote, t'es pas débité. Je vais directement dépôt de véhicule. Ça t'évitera de. Direct sur YouTube, je te pose. Non, j'y vais, j'ai pris une voiture de PNJ, comme ça lui il me sort la voiture, faudra juste. Toi au pire tu peux juste rester dans ton centre d'opération et dès que je suis dans la voiture, tu m'envoies l'invitation, je te rejoins. Moi en temps normal je serais bugué, ce qui fait qu'en temps normal je serais comme si j'étais en bonne note. Ils sont pas trop loin là. Ouais, je vais activer mode passif. Oh là là, c'est quoi ce délire? J'étais trop loin là. Ça m'a fait comme toi, Zamazou, tout à l'heure. Ouais, t'as atterri dans. Yeah. J'ai atterri dans un bunker à perpète là-bas. C'est pas le tien? Non. Ouais, bah tout à l'heure ça nous l'a fait aussi. Juste quand je suis rentré dans mon mode. C'est des Turcs allemands. Allez, je vais aller dépôt de véhicule. C'est quoi le nom de la mec? Tiens, je vais envoyer le mercenaire, tu vois, et soit occupé lui.
Elle est orange. Marron, marron. Sniper King, Jiril 85 et Grav R 46. Voilà, Moussa, moi je suis au dépôt de véhicule, mais je sais pas si t'as le même que le mien. Invitez-moi, je vais leur mettre un coup de canon dans la gueule. Attends, on va faire. On est en public. Ouais, je vais faire chier l'autre, je vais envoyer la mare à Jérémy. On va leur envoyer tout ce qu'on peut leur envoyer. Ah, c'est Jerry, c'est pas Jérémy, c'est Jerry. Ok, j'envoie la mare. Voilà, des fois on résout pas les problèmes par la force, c'est pas tout. Il suffit de se servir de ce qu'on a. Pas rien d'aller à la fond, des fois. C'est pas parce qu'on va à la fond, comme forcément un homme, faut réfléchir, être intelligent, vous voyez. Faut pas se prendre la tête, les potos. On va tous lui envoyer à Jerry. Mettez-leur des primes. Comme ça, peut-être qu'ils vont se faire entre eux. Ouais. Ah, ils ont pas trouvé la cible, ils doivent être cachés. Allez, on le rappelle. T'es là, Zamazou, ou pas? Quel dépôt de véhicule, ça m'a dit. Comment ils s'appellent, les mecs? Sniper King. Grav R46 et Jerry 185. T'es dans ton centre de paix toi aussi? Ouais. Attends juste que Zamazo il sort avec la voiture alors. Alors porte au nom. C'est pour ça qu'en plus je comprends pas. C'est Jerry sans. Le mec t'arrives dans la. 165. Le mec t'arrives dans la session, t'as rien fait, tu commences, ils veulent t'exclure. Je comprends pas. Bonsoir tout le monde. Salut mafiosa. Salut. Salut, ça va Moussa? Porto. Ça va. Et puis tu fais ça qui est bon. T'es où Zamazou? La couleur, je sais pas quoi, là. Ouais.
celui-là c'est pas bon, il aurait fallu prendre, putain c'est con. C'est con, je suis bugué, j'aurais pris. C'est con, je suis bugué, j'aurais pris l'hydra. Ah, ils se sont mis en passif. Vous faites la guerre, les gars, ou quoi? Jerry 185. Je peux nous rejoindre là. Je l'ai pas sûr. Ou alors t'as grave R46. Ah je le vois là-bas. Ah il est là-haut. Je peux pas le viser d'ici. Non j'ai Jerry 165. Ouais, oui. T'as vu quoi? Ah vous êtes sur session invitation. Non. Non je vais taper Jerry. Non, il s'est crashé. Il est tombé avec son vagin. Non, va l'eau. Ah putain, Jerry, il s'est barré. Non, il est là. Il est ton truc de mot. On peut le virer un par un dans de la session. Grave a quitté la partie. Je vis, j'ai niqué. T'es où Zamazou? Il commence à me sentir. Ils ont senti que ça allait chauffer pour eux. Ah, t'es là-bas encore? Non, mais on peut arriver là-haut. Je suis parti. Il reste Jerry en 65. C'est bon, il y a SMRT hébreu, il a tué Jerry. Okay. Donc là les poteaux, j'attends que le poteau se mette en PDG, qu'ils viennent ici à son dépôt de véhicule et qu'il passe la voiture. Oh, Paddington, il a été voté pour être exclu aussi. Ouais, bah... Ah, il est chez lui. On va les acheter. J'ai mis un coup de canon. Hop, on recommande. Vas-y. Ouais, recommandez-moi au pire aussi, comme ça. Ouais, c'est fait. Mais c'est ça, ouais, il faut recommander quand on y est dans les autres. Voilà les photos. Quand vous avez un mec qui vous signale vous avez rien fait, genre pour vous exclure, vous dites à tous vos potos bah, qui vous recommande. C'est comme si ça annule en fait son truc à vous exclure. Quoi. Oh putain, ils veulent en virer les mecs. Sniper King, il a enlevé son passif. Ah mais je peux plus lui envoyer le truc. Ah moi j'allais deux heures. Ah il a remis son passif. Balcrane, c'est un Balcrane. Mais il faut mettre une prime sur sa tête. Sur qui? Ouais, attends je vais mettre. Okay, le mec il se met un passif. Passif. Donc là, attends, le poteau. La prime c'est les mars. Lester. Voilà. Ah, ils sont. Regardez tout ce qui sont dans le trou. 51 scripts, c'est ça là. Ouais, c'est de là 51 strict. C'est
peu sympathique. Je crois qu'il est là où je suis. Tu sais, c'est le dépôt de véhicule qu'il faut que tu viennes. Tu te mets en PDG, tu le verras sur la carte. Sinon, si tu veux, au pire, rapproche ton centre d'opération jusqu'au dépôt de véhicule. Est-ce qu'il faut que tu le rentres dans le match? Non, en fait, ouais, tu peux. De toute façon, si t'as ton centre d'opération sur la carte, ouais, juste à recevoir ton invitation, ça change rien. Ouais, ouais, je suis dedans, ouais. J'attends dedans. Voilà, ouais. Ouais, mais là, c'est ça, en fait. Je suis dans le MOG, j'attends d'envoyer l'invitation, mais je regarde sur la carte. Voilà, attends, là. Toi, tu serais venu avec ton centre d'opération, tu aurais invité Zamazu directement dans le centre d'opération, comme ça te fait directement ici. Parce que du coup, Porto, toi, si tu vas, vu que c'est toi qui as bugué et qui doit la récupérer, ouais. Si tu vas directement à la sortie, tu montes dedans, je t'invite tout de suite. Ouais, une fois qu'il me sort la voiture du dépôt de véhicule, tu sais, au moment où il va pour la vendre, bah moi je monte dedans de suite et après bah j'accepte ton invitation à rentrer dans ton centre d'opération. Mais c'est sur le point de vente en fait, faut pas que tu la récupères tout de suite. De quoi? Non, pour l'instant non, là je suis en train de montrer une manip pour récupérer les voitures du dépôt de véhicule. Tu récupérais les dépôts de véhicules. Ouais, tu sais quand tu te mets en PDG là et tu dois faire des missions, tu dois voler des voitures et après à la fin quand t'as rempli ton stock de voitures tu dois les vendre. Ouais. Ah, c'est pour récupérer les voitures. Ouais, il y a des voitures qui sont dedans qu'on n'a pas, ouais. Il y en a quelques-unes, enfin la plupart tu peux les avoir quoi, mais c'est juste pour ceux qui n'ont pas. Juste pour ceux qui n'ont pas toutes les voitures, ils peuvent les récupérer comme ça. Même les voitures de la rue, tu peux les récupérer. Ouais, ça, ouais. Avec quel bruit ? Celui du bunker. À côté dans le véhicule. Okay. Ouais. Donc ça peut fonctionner sûrement peut-être avec certains véhicules de mission, sûrement, à tester. Je te vois même pas sur la carte, là, mais t'es encore au bunker, mais au complexe. Où est ton dépôt de véhicule? Ah oui, il y a Soldarius aussi avec eux. Ah, il est par là-bas ton dépôt de véhicule? Ouais, ouais. Ah, ok, bah moi je suis loin alors. Il est à côté de chez Lester ton dépôt de véhicule? Ils sont plus là si. Si. Soldarius, Sniper King. Sinon tu m'auras rejoint au doc hein. Dans ma vie, ils sont
Mais les deux autres sont partis, ouais. Dans la session où vous êtes, c'est que des, vous êtes entre amis là, ouais. Non. Vous êtes dans des matières premières, vous avez des gens qui sont des plats. À quelqu'un qui va faire un jeu. Ouais, il est mort. A été atomisé. Il y en a, il y a de l'argent pour faire ça. C'est même pas le prix d'une élégie. Ça dépend, la première ou la deuxième frappe. J'ai vu Zamazou avec la voiture. C'est toi qui as la voiture rouge. La voiture rouge, c'est toi qui l'as. Ouais, c'est lui. Je suis derrière toi, ouais. Il y a un Hydra aussi qui... Non, il tourne sur le sol d'Arius. Je suis pas dedans la voiture encore, il est ok. Voilà, vous voyez là, voilà, c'est une voiture qui vient du dépôt de véhicule. J'ai juste à monter dedans, tac, j'accepte l'invitation de mon pote. Voilà, écran noir, rond, vous voyez, ma carte elle est buggée noire. Là, mon poteau, il peut sortir de son mock. C'est bon. Dans mon camion, voilà, vous avez un deuxième écran noir normal, une fois rond. Là vous voyez, c'est comme si j'étais en mode DTR, mais non, là on fait start en ligne, vous mettez sur par exemple les criminels. Ah, il veut pas, voilà, on va essayer comme ça. Attendez, on va refaire un rond. En ligne. Attends, j'ai pas accès au pack. Ah non, faut. Ah ouais, les poteaux. C'est pas pack d'entrée. Là, en fait, la voiture, vous voyez, elle est déjà dans mon centre d'opération. Là, ce que je vais faire, je vais aller dans l'éditeur. Tac. Simplement. Ouais, je t'ai pas fait d'autres vidéos, parce que sur d'autres vidéos tu connais plus, à part ça. Non, à part ça, non, par ça, pour l'instant, bah, y a pas grand chose pour l'instant. On cherche.
T'as pas un mode invincible ou quoi par le celui-là du garage là? Pour l'instant, si j'ai un petit mode invincible, mais la manip elle est dure à faire. C'est un mode pour être invisible sur la carte, tu vois. C'est celui-là que la télé là. Non, c'est avec la radio dans ton complexe. C'est un truc, un glitch, mais il faut être super rapide. En fait, il faut que tu fasses bugger ta radio avec ton canapé dans ton complexe. Et après, t'as une autre Ah manipa. ouais, il est lourd, j'ai essayé. Ouais, après, voilà quoi. J'avais celui-là. Voilà. Une fois, vous avez là, regardez. Hop, Le vas-y. premier était plus facile dans la chambre. Hein. L'afterpatch de celui-là, bah, du mode invisible, bah, c'est le canapé, hein, il fonctionne encore. Hein. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Centre d'opération mobile, demander véhicule personnel. Et ça devrait marcher avec tous les véhicules de la rue, celles qui ne rentrent pas dans votre garage. Donc là, vous voyez, la voiture, elle est là. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de voiture, par contre, ça serait bien de voir si on peut la vendre. Si, elle est quand même belle, hein, quand même. Donc là, j'essaie de trouver un Lost Custom. Car. Tac, tac, où est-ce qu'il y a un Lost Custom tout près? Bon les gars, peut-être à tout à l'heure ou Ouais. pas. Bonne chance à hein, pour votre manip. Ok, tout à Ok. l'heure. Elle est belle quand même. Et il y avait aussi d'autres véhicules, des véhicules qui sont pas mal aussi. Hein. Donc, on va voir si c'est possible de la vendre à un bon prix. Intéressant de savoir comment tu vends la voiture, ça se trouve la voiture tu peux en tirer un bon prix tu vois. Encore normal quand tu récupères une voiture comme ça de ton pote, tu peux pas la vendre à partir d'un certain montant. Mais là comme c'est une voiture du dépôt de véhicule que tu étais censé vendre, on va voir si on peut faire quelque chose. Voilà, là les portes sont nickel. Voilà. Ah ça, on peut pas la vendre grand chose. 154 435, une dizaine tour 2. Non. Après, ça reste un pour ceux qui ont pas forcément, qui veulent avoir plus de véhicules quoi. Et après vous pouvez bah si je le répare, vous avez accès à tout. Hein. Tac. Ouais, je vais pas récupérer mes plaques encore. Peinture. Couleur principale. Si je m'écroue, secret de gueule. Ouais. T'as testé les voitures de police du coup? Celle du FBI? Laquelle? Une FBI ou un fourgon, un truc comme ça. Non, ça tu peux tester, mais après les voitures de police c'est blacklisté, tu vois. Okay.
ouais, quand même booster à fond, tu vois. Ouais. Parce que je vais y arrêter. Je vais y arrêter.